Yo les gars, c'est Ensu, on se retrouve pour une nouvelle petite vidéo défi. Alors sur ma chaîne YouTube, les gars, il y a tous les défis disponibles. S'il y a un défi que vous n'arrivez pas, vous le trouvez sur ma chaîne YouTube ou vous marquez dans la barre de recherche Ensu plus loin le nom de votre défi. On n'oublie pas évidemment le code créateur, mais attendez, on lance la partie avant. Le code créateur ENDSKEW pour me soutenir. Comme je vous l'ai déjà dit plein de fois, je suis un petit youtubeur et donc ça me soutient beaucoup plus que des gros youtubeurs qui sont riches. Non bon, ça c'était la petite blague, petite easter eggs on va dire. Mais bon, c'est vrai quand même ce que je vous dis les gars. C'est vrai qu'un youtubeur de 5000 abonnés et un youtubeur d'1 million d'abonnés, ah bah il y a une différence. Mais bon, on n'est pas là pour se plaindre. Aujourd'hui, je vous fais une petite vidéo défi et j'espère que ça va vous plaire. Hop, la partie se lance. Et puis vous allez voir ce défi, les gars. C'est la troisième fois que je le fais. Pourquoi? Parce que ben, c'est comme ça. Fortnite aime bien faire les mêmes défis. Mais bon, c'est pas grave, hein. On va pas se plaindre. Donc au moins, vous voyez que c'est pas un bug. Si jamais vous voyez 4 fois même le même défi, parce que peut-être qu'il faudra le faire 4 fois, eh bien, ce n'est pas un bug. Bon, la partie était longue à lancer. Elle était très longue. Mais du coup, voilà, c'est pas un bug. Il y a 3 fois le même défi pour l'instant. Peut-être 4 fois, on verra. Donc c'est chiant pour moi, parce que moi je dois vous faire 4 fois la même vidéo. Mais bon, pour vous c'est à peu près pareil. Bon, vous savez quoi? On va faire des petites danses. Son sac à dos est très cool par contre. Je l'avais jamais vu je crois. Du coup, bon, bah, on se répète encore, on se répète. Mais bon, je suis sur mon compte secondaire, c'est pour ça que j'ai un skin Bambi. Parce que j'ai déjà fait tous les défis sur mon compte principal pour vous aider et pour connaître les meilleures astuces. Moi je sais du coup toutes les meilleures astuces vu que j'ai déjà fait le défi sur mon compte principal. Et puis évidemment, il n'y a pas de montage. Pourquoi il n'y a pas de montage? C'est très simple. Déjà, premièrement, je peux pas faire de pause. Vous savez, on peut faire des pauses sur les vidéos. Moi je peux pas. Parce que mon logiciel de montage, il marche, il veut pas en fait. Mon ancien logiciel, il pouvait. C'est pour ça que si vous regardez mes anciennes vidéos YouTube, vous allez voir ça. Mais là, je peux pas. Et puis dans tous les cas, c'est mieux les gars. Si j'aurais fait une vidéo montage, la vidéo aurait duré 30 secondes, je vous aurais dit hop, faut appuyer là et c'est fini. Alors que là, c'est une petite vidéo sympa, on est ensemble. Et puis en plus, vous voyez que vous pouvez faire le défi en pas longtemps. Donc voilà. Si jamais il y a un défi, il dure 1 heure, je vous ferai peut-être pas une vidéo d'1 heure. Mais tellement que je vais vous chercher les meilleures astuces, je suis sûr qu'en même pas 10 minutes, je peux vous faire un défi. En tout cas, c'est parti. Hop. On va camper un petit peu, vous allez voir tout de suite pourquoi. Attendez, par contre, il y a beaucoup de... je vois beaucoup de joueurs et ça me fait peur. Donc on va aller camper, attendez. Où est-ce que je peux camper? Hop. Vous allez voir pourquoi il faut camper. Vous pourrez vous dire un campeur. Non. Là, c'est camper pour faire un défi. C'est pas pareil. Camper dans une partie d'arène, d'accord. Je suis un gros campeur. Mais là, camper pour un défi, vous avez le droit. Du coup voilà le défi, vous allez devoir attendre un petit peu. Vous allez en même temps dans vos paramètres, si jamais vous n'avez pas changé la touche. Hop, vous descendez tout en bas, vous remontez un petit peu. Et c'est juste en dessous de Ensale, juste en dessous de Octane. Vous avez la touche entrée de renfort, ouvrir le choix de renfort. Et donc vous changez la touche. La touche de base c'est une touche anglaise. Vous pouvez pas l'utiliser. C'est sur clavier souris évidemment, sur manette il n'y a pas de problème. Mais du coup c'est une touche anglaise, vous devez faire Windows espace pour changer la touche. Mais sinon, vous faites tout simplement dans les paramètres. Et évidemment, vous devez être en partie. Ça, c'est très chiant. Mais si vous êtes dans le lobby, normalement, la touche, vous la verrez pas. Et je comprends pas pourquoi. C'est un bug de Fortnite. Mais pour changer la touche, vous devez être dans une game. Hop. Le petit défi qui va bientôt arriver. Vous allez le voir au-dessus de mon inventaire bientôt. Ça va apparaître. On attend un petit peu. Allez, allez. Pendant ce temps-là, on peut faire des danses. La map est quand même belle. Bah ouais, moi je la trouve belle la map. Franchement. Sans mentir. Carrément, on peut voir, j'ai rien visité. Et donc, vous voyez à droite de votre écran le petit truc qui arrive. Et voilà, le défi qui est validé. Survivre jusqu'à ce que des renforts soient disponibles. Et on va quitter la partie. Du coup voilà les gars, c'est tout pour ce petit défi. C'est tout simple. Vous n'avez même pas besoin de l'activer, juste attendre que ça apparaisse et on gagne des étoiles. On n'oublie pas évidemment le code créateur Ensu dans la boutique Fortnite.
ENDSKEW, le pouce bleu, l'abonnement, le commentaire. Et puis sur ce, ciao!